Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vous retrouve donc pour un booktube pour vous parler du Reich de la Lune de Johanna Sinisalo. Alors, Johanna Sinisalo, je vous en avais déjà parlé, je ne sais pas si vous vous souvenez, parce que c'était il y a longtemps. C'était pour son roman Avec joie et docilité que j'avais adoré. Donc, quand j'ai vu en présentation le Reich de la Lune de la même auteure, donc j'ai sauté dessus, sachant, ben, voilà un petit peu à quoi m'attendre parce que le titre est assez évocateur. C'est un roman de science-fiction qui part de cette théorie du complot selon laquelle des nazis se seraient cachés sur la face cachée de la Lune, justement, juste après la Seconde Guerre mondiale. Le roman s'ouvre dans ce contexte, c'est une colonie vraiment en vase clos, forcément, puisqu'on ne peut pas respirer sur la Lune. Et on suit une jeune femme qui grandit dans une éducation, un enseignement qui correspond aux valeurs des nazis. Alors c'est un petit peu déroutant parce que bien sûr, comme d'habitude, on s'identifie au personnage, mais en même temps, on n'adhère pas du tout aux valeurs, donc c'est assez déstabilisant. Et puis vient le moment où forcément des nazis débarquent sur la Terre. Et là, on rentre dans une toute autre dimension du roman. On n'est plus simplement dans la comédie. On entre vraiment dans une part qui est de la satire. Donc c'est un roman qui est assez étonnant quand même, puisqu'on n'a pas du tout envie d'être dans l'empathie de ces personnages principaux. Et pourtant, voilà, on y est contraint de fait. Hein. Enfin, jamais. Enfin, je pense pas que ça arrive. On ne peut pas aimer un roman si on s'identifie pas au personnage. Ça n'arrive pas. Le deuxième point qui est intéressant dans cette histoire. Donc après ce processus de critique de l'humanité. Tout ça, donc on voit sans aucun problème. La deuxième chose qui arrive, qui est beaucoup plus subtile, qui se développe beaucoup plus loin dans le récit, en fait, c'est qu'on se rend compte que l'éducation qu'a subie, quelque part, le personnage principal, qui est plutôt quelqu'un de bienveillant, de pacifiste et qui est pétri de bonnes intentions, en fait, et bien, son éducation a contraint son esprit et l'a amené à avoir des schémas qui sont nettement plus belliqueux. Et on arrive dans cette ambivalence, bienveillance, malveillance, comment on arrive à nos fins, qu'est-ce qui justifie, ça, voilà. Et ça, c'est vraiment intéressant parce qu'en fait, on se rend compte que non seulement ça peut nous arriver, mais en plus, ça peut être en train de nous arriver. C'est-à-dire qu'on s'en rend absolument pas compte et on ne peut pas s'en rendre compte. Quand je lisais ce livre et que j'en parlais à mon entourage en disant « Oh là là, j'adore ce roman », j'ai quelques amis qui ont répondu tout de suite « Ah oh non, mais attends, c'est pompé sur le film Iron Sky », qui est une comédie un petit peu potache, si j'ai bien compris. Et ben en fait, il se trouve que c'est Johanna Sinisalo qui est aussi à l'origine de ce film. Alors, à l'origine de ce film, oui et non, parce qu'à la base, c'est une petite société de production qui a fait une série qui s'appelait Starwreck et qui, au fur et à mesure du temps, s'est dit, on va faire un film. Et comme ils étaient plutôt amateurs, ils ont voulu faire appel à un scénariste professionnel. Et c'est là qu'ils ont appelé Johanna Sinisalo et qui a donc travaillé sur l'histoire de ce film-là. Voilà. Donc, c'est un pendant, en fait. Johanna Sinisalo explique à la fin de ce roman que le film est un scénario et que le roman est en fait tout ce qui n'apparaît pas dans le film. C'est pas il faut avoir lu l'un ou vu l'un pour lire ou pour voir l'autre, mais ça permet d'aller plus au fond des choses. Voilà, donc encore un coup de cœur pour Johanna Sinisalo, elle est vraiment formidable, je l'adore et je vais continuer de lire d'elle tout ce qui me tombe sous la main et de voir du coup les films auxquels elle a participé parce que ça m'intrigue énormément. Je vous remercie pour votre écoute, je vous souhaite une bonne semaine et on se retrouve jeudi prochain.